La position du syndicat Assos Solidaires, c'est déjà une position de vigilance et une position de contestation. Vigilance et contestation, pourquoi? Parce que on a peur que le service civique se substitue à de l'emploi, et notamment à de l'emploi associatif. Et contestation parce que nous pensons que les jeunes méritent mieux qu'un dispositif où ils sont payés 600 euros par mois, un peu moins de 600 euros par mois, pour travailler entre 24 et 48 heures. Et ça, c'est un vrai point de contestation pour nous. Je pense que la jeunesse mérite autre chose qu'un salaire de misère, même pour une belle action et même pour un engagement associatif qui nous croyons, est juste. Et puis je reviens sur la question du sous-emploi. Ce qui nous inquiète aussi beaucoup, c'est qu'on a 25% des jeunes qui sont au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi, qui se disent finalement je vais faire un service civique faute de mieux, et qu'à à ce chômage des jeunes, on a un pendant associatif qui est. Des associations qui manquent de financement, qui sont de plus en plus mises en concurrence, qui sont de plus en plus précarisées par des appels à projets. Et donc nous pensons que les associations, elles méritent des subventions de fonctionnement, et que faute d'avoir ces subventions de fonctionnement, elles prennent des jeunes en service civique aussi faute de mieux, parce que le travail associatif, qui est un travail de vivre ensemble, il mérite mieux. Et nous pensons que pour faire ce travail, faute de financement, les associations recrutent des personnes en service civique mal payées et sont quelque part complices de la précarité des jeunes et de leur propre association. Nos propositions, elles couvrent trois axes. Je vais commencer par la précarité, vous en avez parlé. Nous pensons que les jeunes, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent pour moins que le SMIC, et nous demandons donc à ce que les volontaires en service civique soient payés à minima au niveau du SMIC horaire. Et au-delà de ça, nous demandons aussi à ce qu'ils aient une protection sociale complète, incluant les cotisations chômage et cotisations retraite. Et c'est très important pour nous d'offrir autre chose qu'aux jeunes, qu'un salaire à 600 euros, mais d'offrir vraiment une protection sociale complète et un salaire décent pour des missions qu'ils méritent, encore une fois. Et puis je dirais, nous avons deux autres points de vigilance et propositions qui sont sur déjà l'inscription du service civique dans le droit du travail. Pour que ces jeunes, on a constaté de nombreuses dérives, pour que ces jeunes ils puissent avoir des voies de recours. Je pense au prud'homme, je pense à l'inspection du travail. Donc c'est très important que le code du travail s'applique aussi pour les volontaires en service civique. Et enfin, un troisième axe, une troisième piste, qui est sur la reconnaissance du travail associatif. Et j'ai énoncé un petit peu avant, ça nous semble très important que le travail associatif soit reconnu et que les associations aient les moyens de leurs actions et qu'elles aient des subventions de fonctionnement et non pas des subventions via des projets ou de la mise en concurrence, mais vraiment des subventions de fonctionnement. Et encore une fois, le travail qui est fait par les associations est très important pour la cohésion nationale et il me semble que les associations, elles méritent des subventions de fonctionnement et que les personnes qui travaillent dans les associations, elles méritent des salaires décents.